Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc voilà. Alors bon, aujourd'hui, je vais pas faire les lettres araméennes et hébraïques. Hein, donc voilà, parce que voilà, j'ai fait d'une autre manière. Donc là, on peut dire j'ai un défibrillateur et aussi un piano. Un piano, donc c'est par rapport à quelqu'un qui peut être près d'un lac, ou c'est par rapport, on peut dire, à des gens voilà, qui ont peut-être eu, on peut dire, du hacking, voilà, des gens qui habitent, on peut dire, dans une ville. Donc j'ai VLC. Voilà, par rapport au piano. Donc, c'est CLV, hein, bien sûr. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à une note noire et une note blanche. Donc, il peut y avoir, on peut dire, aussi deux documents. Un document noir que l'on ne voit pas et, on peut dire, un document blanc. Après, ça peut être aussi, évidemment, pour des musiciens avec le piano. Le noir et blanc, évidemment, comme vous pouvez, on peut dire, constater à travers mes tirages, ça peut être un logo ou ça peut être, on peut dire, une partie d'un quartier de blason ou d'écusson. Donc, sur CVL, donc le C peut être un G, donc ça fait GLV. Ça peut être aussi, le G peut être un K. Comme nous l'avons vu, hein, le cas de CAF. Donc c'est KLV aussi. Donc on peut dire que dans la situation, les gens sont très fébriles. Voilà, donc il y a peut-être aussi des gens qui sont proches de l'apoplexie ou de la crise cardiaque, hein, sinon je n'aurais pas le défibrillateur. Ou on peut dire qu'il y a des personnes dans la situation qui manquent d'air, qui sont très anxieux ou anxieuses, on peut dire peut-être aussi par rapport à un accident ou par rapport à une crise cardiaque. Voilà, il peut s'agir aussi d'un accident vasculaire. Donc j'ai repris évidemment, comme vous le savez, les phonèmes et les consonnes. Donc il s'agit de V, S, C, L, R. Et en inversé, nous avons R, L, C, S et V, donc C peut être un G ou peut-être un K aussi. Et donc ce que l'on constate, on peut dire, c'est qu'il y a à la fois RS et CL. Donc on peut dire que dans une situation ou par rapport à un accident ou par rapport à un événement, quel qu'il soit, il y a, on peut dire, un lien, un lien entre RS ou SR et CL ou LC. Alors, vous savez peut-être aussi quelque chose, ou peut-être que quelqu'un dans la situation sait quelque chose. Donc, après, j'ai deux adaptateurs toujours. Hein. Bon, alors, bon, à chaque fois, je ne vais pas réexpliquer comment je trouve ça, mais bon, c'est à la fois par rapport, on peut dire, à des équations mathématiques. Il s'agit de commutateurs. Il s'agit d'ondes, donc il y a deux adaptateurs dans la situation. Donc, on va peut-être adapter, on peut dire, quelque chose, on peut dire par rapport, on peut dire à quelque chose qui a rapport en tout cas à la médecine, un hein, défibrillateur, enfin je veux dire, voilà, ou par rapport à des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé liés au cœur. Donc on peut dire que dans la situation, il y a aussi deux événements qui se complètent. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une boîte. Alors je l'ai deux fois la boîte. Hein. Donc il s'agit d'une boîte orange. Alors là à côté j'ai une boîte avec des interrupteurs. Une boîte de médicaments peut-être ou une boîte tout simplement de chirurgie, du fil et de l'aiguille. Donc j'ai repris orange. Donc il s'agit d'or. Hein, voilà, donc d'or. Et plus loin ange. Donc il s'agit on peut dire de personnes qui ne sont plus sur ce plan-là, visiblement pour aiguiller, on peut dire, quelqu'un dans la situation. Voilà, où il s'agit tout simplement, on peut dire, d'adaptateur, on peut dire, pour adapter une situation et faire changer quelqu'un, on peut dire, de route, puisque j'ai aussi l'aiguillage pour faire prendre, on peut dire, à quelqu'un ou à un événement, on peut dire, une autre voie. Donc, il s'agit de transformer
Le plomb en or, hein, donc il s'agit de transformer, on peut dire, la matière, quelle qu'elle soit, en or. Hein, il peut s'agir aussi, évidemment, de choses qui sont liées au corps, aux viscères et à la matrice. Hein. Voilà, donc là, on va transformer aussi l'argent en or, l'argent de quelqu'un, hein, puisque, évidemment, le plomb, c'est aussi, évidemment, je veux dire, lié au corps. Donc, je le dis cela parce que, voilà, il s'agit, on peut dire, d'alchimie, hein, dans la situation. Donc, dans l'alchimie, on peut dire, on sectionne, on peut dire, deux choses, hein, voilà, le plomb et l'or, pour, on peut dire, une transformation. Et donc, dans le tarot, l'alchimiste, c'est la carte, on peut dire, de la folie, hein, voilà, que je vous ai montré, on peut dire, à de multiples reprises. Il s'agit de quelqu'un, on peut dire, à qui on peut faire perdre la tête, ou il peut s'agir tout simplement d'une personne qui est amnésique ou qui ne voit rien dans une situation. Voilà, ou il peut s'agir évidemment de personnes qui se taisent par rapport à un accident vasculaire ou par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a besoin d'un défibrillateur ou il y a eu, on peut dire, un problème avec un défibrillateur parce que, on peut dire, on a peut-être commuté, je veux dire, les ondes. Hein. Il y a un truc comme ça aussi, avec un adaptateur, hein, où l'adaptateur n'était pas adapté. Et, enfin, je veux dire, quelqu'un a eu un problème, hein, un gros accident vasculaire. Hein. Donc après, j'ai plusieurs couleurs. Il s'agit de vert, de marron, de rouge et de rose. Donc il peut s'agir de maquillage, hein, de vêtements. Il peut s'agir de voyants lumineux, on peut dire, sur une boîte d'interrupteurs, quatre couleurs aussi. Donc il peut s'agir aussi de quatre, on peut dire, quartiers de blason. Voilà, il peut s'agir aussi de casaques, il peut s'agir aussi évidemment de personnes qui ont des chevaux, hein, ou qui ont des écuries. Et donc tout cela est sur de la dentelle, hein, voilà, des choses qui sont extrêmement raffinées dans la situation. Des gens, on peut dire, qui peuvent avoir des ancêtres qui portaient, on peut dire, des vêtements, je veux dire, avec de la dentelle, hein, voilà, pas forcément, on n'est pas obligé de remonter à Louis XIV, mais enfin, bon, les hommes portaient quand même de la dentelle. Donc on est toujours, on peut dire, avec, on peut dire, cette redondance, on peut dire, avec des choses du passé. En tout cas, quelqu'un de très raffiné, hein. Il peut s'agir aussi de quatre ronds, aussi, voilà, donc après, il faut regarder évidemment les logos, hein, et il faut regarder aussi les blasons et les écussons. Il peut s'agir aussi de notes de musique, hein, de sons, de notifications aussi, par rapport, on peut dire, à, voilà, par rapport à des téléphones, quatre appels ou quatre personnes, on peut dire, qui se suivent. Un peu comme, je veux dire, quand on est à la montagne, on est en cordée et il y a quatre personnes qui suivent, on peut dire, sur une crête. Il peut s'agir aussi de formules atomiques, d'ADN, de quatre points sur une colonne vertébrale, de quatre lignages. Et donc, si on reprend, on peut dire, voilà, on peut dire le coccyx, voilà, tout ce que j'ai dit hier. Il s'agit, on peut dire, d'une base crânienne avec trois points et on peut dire qu'il manque un point. Il s'agit de l'or ange ou, je veux dire, un homme qui pouvait être en or, hein, voilà, ou qui pouvait avoir beaucoup d'argent. Donc après, j'ai une pochette verte avec des documents à l'intérieur. Dans ces documents, il manque une signature ou on peut dire il y a des informations qui sont manquantes ou tout simplement ce sont des informations qui sont censurées. En tout cas, par rapport à cela, il y a un projet qui ne se fait pas à cause d'une connexion. Donc j'ai toujours C, donc ça peut être CH par exemple, parce que je l'ai eu aussi dans mes tirages. Ça peut être L, S et F. Le F peut être PH et ça peut être aussi l'ensemble vide. Donc ce que l'on peut comprendre, on peut dire on met peut-être aussi quatre personnes dans la nuit, hein, où on met, on peut dire, on a fait un rond, enfin il s'agit de circonférence où on peut dire, voilà, on peut dire de quelque chose qui est caché, on peut dire sur quatre personnes ou à quatre personnes, hein, dont une n'est pas là. C'est ça.
Donc, dans la pochette verte, hein, donc, évidemment, c'est un rectangle, c'est vert. Hein, donc, évidemment, il faut reprendre, on peut dire, toute la symbolique, évidemment, du vert, c'est-à-dire deux personnes qui portent des médailles, des militaires, de la terre aussi, du recyclage, par exemple, avec on peut dire, les aiguilles qui tournent, de la pochette médicale. Donc il peut s'agir aussi de catharsis, hein, puisqu'on peut dire, on sépare, on peut dire peut-être quatre personnes, ou quatre, on peut dire, quatre objets, hein, quels qu'ils soient. En tout cas, c'est lié au corps, aux organes vitaux. Il y a une séparation, on peut dire, par rapport, on peut dire, à un téléphone. Alors soit on n'arrive pas à joindre quelqu'un, ou soit on peut dire la personne est hors ligne. Voilà, une séparation par rapport à des appels. Ou quelqu'un manque un appel. Alors c'est par rapport à un enfant qui pleure, ou on peut dire c'est par rapport aussi à une personne qui se sent très mal. Ça peut être aussi un homme ou une femme. Ça peut être une personne plus jeune qui est dans le chagrin. Et donc on peut dire que dans la situation, si on peut dire cette histoire vous incombe, il s'agit, on peut dire, de dualité du mental qui empêche de voir la réalité. Alors, vous pouvez être dans la dualité du mental où on peut dire on vous empêche de voir la réalité parce que on peut dire dans la situation il peut y avoir on peut dire quelque chose qui est caché dans un document on peut dire administratif, judiciaire ou médical. Mais c'est quand même par rapport à un défibrillateur, je veux dire, je sais pas, il y a eu un problème de commutateur ou il y a eu un problème on peut dire d'adaptateur. Des gens qui ont fait une crise cardiaque ou des gens qui peuvent avoir on peut dire des problèmes. De santé, je veux dire lié au cœur, ou un accident vasculaire. Et donc, souvenez-vous, dans mes deux derniers tirages, on peut dire, il y avait quelque chose qui avait été reproduit deux fois et on n'avait rien vu. Donc, on ne voit pas un travail qui est fait. Il s'agit d'une bande noire. Hein, donc, on a peut-être une bande noire aussi, je veux dire, sur un document aussi. Ou il peut s'agir, on peut dire, de plusieurs personnes, on peut dire, qui font des choses qui ne sont pas très recommandables ou des gens qui se cachent. Alors la bande noire, par rapport, on peut dire, à mes petits ronds, ça peut être aussi une formule atomique. Parce qu'en fait, on note les formules atomiques avec un X, bien sûr. Et donc, il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui ne sont pas sur ce plan-là. Donc, souvenez-vous, j'avais une vieille, hein, une vieille qui te dit « Salut les terriens ». Et je pouvais aussi avoir, on peut dire, ça peut être un homme blond ou ça peut être, on peut dire, un jeune homme blond aussi, j'avais. Et j'avais aussi le cousin avec, on peut dire, un petit carré, souvenez-vous, qui était vide. Hein, donc on peut dire qu'il y a soit des informations manquantes à un document, soit on peut dire il y a un document qui n'est pas signé et que l'on utilise. Donc là, nous avons après une main qui dit stop. Alors, moi, j'ai la main de Fatma ou la main de Fatima à cause d'un œil qui voit. Et c'est par rapport, on peut dire, à une grille. Hein. Alors, ça peut être une grille de compréhension, hein, évidemment. Après, ça peut être évidemment le carré magique chez nos amis les Chinois. Il s'agit de quelque chose de rouge et de blanc. Il s'agit, on peut dire, d'un logo rouge et blanc ou d'un quartier de blason rouge et blanc. Le blanc, évidemment, représente le sacré. Voilà, c'est ça. Et le rouge représente le sang, le vin, la vigne, le précieux sang versé par les martyrs et les sacrifices. Et les sacrifiés, pardon. Et ça représente évidemment aussi le sang du Christ. Hein. Donc au-dessus, le cœur, il y a un cœur qui est rouge, toujours avec une couronne. Alors il peut s'agir évidemment de logo. Donc rouge, le logo est rouge avec une couronne, ou il peut s'agir d'un écusson rouge avec une couronne, et entouré de diamants. Hein, donc c'est le cœur du Christ, hein, évidemment, c'est une bénédiction. Donc dans la situation, on peut dire, l'amour est une bénédiction des ancêtres. L'amour, c'est Marie, hein, voilà, c'est pour ça qu'on a aussi la pochette verte, le carré vert, la terre. Donc on peut dire que dans la situation, la bénédiction, c'est la terre,
les os sacrés, les diamants. Donc là, pour certains, je veux dire, bon, y a des pierres, il y a des pierres, il y a des diamants, ou enfin, vous faites des choses qui sont, voilà, qui ont beaucoup de valeur. Alors la terre, évidemment, c'est par rapport aussi au corps, bien sûr. Donc c'est un cœur sacré. Donc je vous dis, il y a toujours des personnes, on peut dire, qui sont sacrées dans la situation. Et donc il y a des pièces d'or qui arrivent sur le cœur et la couronne. Donc il s'agit du triangle que l'on a vu précédemment, de l'Esprit Saint, parce que vraisemblablement il manque une personne. Hein, donc voilà. Par rapport aussi à une terre. Donc c'est le Saint-Esprit du cœur sacrifié du prophète et de la terre. La terre, c'est Marie. C'est aussi la matière de l'homme, le corps de l'homme étoilé. Donc il peut s'agir aussi évidemment de personnes sacrifiées ou de sacrifices. Et donc par rapport à ce que je vous dis, donc je reprends un défibrillateur, crise cardiaque ou accident vasculaire, des problèmes on peut dire avec des adaptateurs visiblement, je veux dire, qui ont peut-être fait les choses à l'envers, hein, puisqu'il s'agit de commutateurs. Bon, moi je pense ça par rapport, on peut dire, à mes... Voilà, mais aux mathématiques. Donc dans la situation, il y a quelque chose qui est couvert, où il y a une couverture. Alors, donc quelqu'un, on peut dire, a une couverture, hein, quelqu'un est protégé, on peut dire, dans la situation, mais bon, la couverture, enfin je veux dire, vu qu'on a vu des gens qui étaient plutôt, on peut dire, des gens qui étaient espionnés ou dans le hacking. Bon, là, on peut dire, on prend quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de traîtres dans la situation. Quelqu'un a une couverture, c'est par rapport à un œil vide ou un œil clair. Ou ça peut être aussi quelqu'un d'aveugle ou quelqu'un qui ne voit rien. Donc, tu vas voir la lumière par rapport à un logo rouge et blanc. Il peut s'agir d'une musique sacrée, hein, puisque j'avais les notes, hein, les notes de musique, une note noire, une note blanche. Donc là, il y a des personnes qui doivent être dans l'intuition. Par rapport à un quartier rouge aussi, un quartier rouge, ça peut être aussi une maison rouge, un logo rouge, un écusson rouge. Quelqu'un a été induit en erreur par rapport, on peut dire, à la fleur de ton esprit. Il s'agit d'une rose à ton bras. Donc c'est la rose du cœur, donc c'est la rose de Keter dans l'arbre de la Kabbale, la rose de Marie. Donc il y a quelqu'un qui a été induit en erreur, je veux dire, par rapport à un piano, hein, ou par rapport à un défibrillateur, hein, quelqu'un qui a eu des problèmes. Hein. Voilà, parce que les gens étaient très fébriles, enfin je sais pas. On a inversé les ondes là, au niveau des commutateurs. Hein. Donc c'est par rapport à Ronsard, donc on peut dire que pour certains, je veux dire, si vous faites de l'art, je veux dire, on vous a mis dans les orties, hein, vous êtes dans les ronces. Hein. Il s'agit d'un poème français, Allons voir si la rose. Donc quelqu'un se rend compte que le temps a passé et que la rose est flétrie. Donc il peut s'agir aussi de la toile de Jouy, hein, en bleu. Donc, il peut s'agir, on peut dire, du passé aussi. Donc, vous avez peut-être aussi, je sais pas, de la toile de Jouy chez vous. Hein. Il peut s'agir donc du passé, mais aussi de peut-être penser les blessures, on ne sait pas. Mais aussi de penser de joie, de jouissance, hein, par rapport à bleu, par rapport au bleu. Donc, bleu, c'est le ciel, hein, c'est le Père, hein, et c'est Dieu. Et c'est aussi la vérité. Donc là, je veux dire, bon, on est en France, hein, donc moi j'ai Jouy en Josas. Ça peut être aussi Jonas. Voilà, dans la Bible. Et ce qui est passé est sacré. Par rapport à JSS ou SSJ. Donc voilà, vous prenez prénom, nom, phonème dans un prénom ou dans un nom. Et par rapport à JNS ou SNJ. Alors il y a peut-être quelqu'un qui gît ou quelqu'un qui est dans un lit ou quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est dans une chambre. Et donc c'est la transformation, on peut dire, de la baleine, hein, de Jonas.
C'est la transformation par rapport, on peut dire, au bleu, hein, à la vérité, hein, la gorgée de bleu de Yves Klein, n'oubliez pas. Et donc c'est par rapport à des gens qui ont rapport à la mer, toujours, avec la baleine. Des gens qui sont des baleines, je veux dire, des gens, genre, je veux dire, t'as peut-être un chalutier ou t'as peut-être, je veux dire, t'as l'habitude d'aller sur la mer. Et donc c'est par rapport à une toile, et donc c'est par rapport à du cinéma, hein, ou c'est par rapport à des vidéos. Alors ça peut être aussi une toile d'araignée, puisqu'on l'a vu hier. Bon, donc il peut s'agir aussi de personnes qui ont été mises, on peut dire, voilà, dans une histoire, je veux dire, où on les a fait tourner, à l'envers. Et là, dans la situation, on va voir la vérité. D'une toile d'araignée, voilà, on vous a joué du cinéma. Alors pour certains, c'est par rapport à un défibrillateur, pour d'autres, c'est par rapport à un piano. Des gens qui vivent près d'un lac, hein, ou près de la mer. Du hacking dans une ville, hein. Par rapport, on peut dire, peut-être un document noir que l'on ne voit pas et un document blanc. Voilà, des gens, je veux dire, qui ont des problèmes, je veux dire, de médicaux. Ou des gens qui ont fait des crises cardiaques dans le passé, hein. Accident vasculaire. Hein. Voilà, il s'agit de commutateurs ou je veux dire, il s'agit d'adaptateurs. Voilà, des choses, on peut dire, qui ont balancé des ondes, je veux dire, c'était pas ça. Voilà, et c'était pour prendre une autre voie, un autre aiguillage. Hein. Bon, après, nous avons donc une bulle rose. Voilà, c'est la bulle du Tao pour d'autres, hein, puisque j'avais des petits ronds. Hein, donc on peut dire que dans la situation, il y a des gens qui font des bulles. Alors soit, je veux dire, vous êtes musicien, vous faites des notes de musique. Soit, enfin, je veux dire, vous recevez des bulles, je veux dire, c'est des notifications, c'est des SMS. Vert, marron, rouge, rose. Voilà, ça peut être aussi dans des quartiers de blason aussi. Donc c'est par rapport, on peut dire, la bulle du Tao, ben, vous allez reprendre votre souffle, hein, comme Yves Klein, la gorgée de bleu, la gorgée de lumière. Il s'agit d'oxygène, hein. La bulle rose, là, c'est l'oxygène, c'est l'amour. Et donc on peut dire que dans la situation, les roses sont dans le ciel, hein. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Voilà, par rapport au défibrillateur, hein, visiblement un truc qui marchait pas bien. Voilà, c'est ce que j'ai pour aujourd'hui, mes amis. Alors, je vais juste vous montrer les petites cartes là. Donc, on a quelqu'un, visiblement, je veux dire, t'as mal à la tête. Voilà, par rapport, on peut dire, à un chef. Hein, donc, tu commandes peut-être quelque chose. En tout cas, nous avons un chef qui a très mal à la tête dans la situation. Il peut s'agir aussi de misère et de pauvreté. Donc là, par rapport à Rech, je veux dire, t'as reçu un jugement ou tu vas recevoir un jugement, ça va te faire mal. Donc il s'agit de baisse, hein, inversée. Hein. Donc il s'agit, on peut dire, de choses qui s'arrêtent, hein, comme je vous l'ai dit. Alors je tiens à dire que je veux dire, je ne choisis pas mes cartes et je ne les regarde pas, d'accord? Avant de les tirer. Donc là, visiblement, il y a des gens, on peut dire, qui vont déménager. Voilà. Vous partez de votre nid ou de votre tente ou de votre maison hein, ou de votre palais ou de votre résidence. En tout cas, les choses s'arrêtent parce qu'on prend, je veux dire, une poêle sur la tête. Donc là, dans la situation, il s'agit, on peut dire, toujours, on peut dire, voilà, de mort, de mortalité, de transformation, de choses qui s'arrêtent. Hein. Je veux dire, il y a des gens, voilà, qui sont pris pour des baleines, hein, visiblement. Il s'agit aussi de personnes qui sont proches de lacs ou proches de la mer. Donc le même final, je veux dire, c'est un carré, hein, mes amis. Et là, il y a des personnes qui vont peut-être beaucoup pleurer aussi. Il s'agit d'un ruisseau, d'une source, hein, d'un secret qui est terni. Et donc la dernière, c'est Iode. Donc là, dans la situation, je veux dire, on est embourbé dans le karma. Alors, Yod, c'est Yad, c'est la main de Dieu. Bon, des gens qui ont reçu la main de Dieu, mais enfin, je veux dire, le bras du divin, je veux dire, il t'a pas épargné. Et il s'agit, on peut dire, de personnes qui pouvaient être beaucoup dans la domination, voilà, de penser, on peut dire que
leur volonté, on peut dire, faisait foi, mais c'est surtout, on peut dire, la volonté du divin qui fait foi dans la situation. Voilà. Et là, visiblement, ça arrive avec puissance, avec vigueur et avec force, avec même. Voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens, je veux dire, ils vont rembourser leur dette karmique. Donc là, nous avons, je veux dire, quelqu'un qui s'est bafoué, hein, je veux dire, peut-être aussi quelqu'un qui a eu mal au cœur, on peut dire, par rapport à un mariage. Là, vous avez mal au cœur, vous n'en pouvez plus. Pour d'autres, je veux dire, c'est des chocolats suisses, hein, ça ne vous a pas fait du bien. Ou on peut dire que dans la situation, il y a peut-être aussi une personne, on peut dire, qui appartient à une église, qui peut être malade. Par rapport à de la pauvreté, par rapport à de la misère. Hein. Voilà, là, je veux dire. Pour d'autres, je veux dire, il s'agit de personnes du Nord. Hein. Donc là, on a trouvé les saucisses au frigo. Donc là aussi, je veux dire, ça s'arrête. Hein. Par rapport à des histoires de transformation, par rapport à des histoires qui sont liées, on peut dire, peut-être à la médecine ou à la nourriture. Donc là, visiblement, je veux dire, pour d'autres, si vous voulez récupérer peut-être de l'argent ou je ne sais quoi. Il y avait des choses, on peut dire, qui étaient très gelées. Hein. On va peut-être découvrir un trésor. Et là même, je veux dire, c'est par rapport, on peut dire, à une personne, je veux dire, qui a des baguettes. Alors ça peut être un chinois ou un japonais. Voilà, là quelqu'un, je veux dire, qui est dans le désert. Hein. Là c'est dur. Hein. Là c'est dur parce que là je suis, voilà, des gens qui sont sous la pluie. Hein. Par rapport, on peut dire, à un secret ou par rapport à quelque chose qui est terni. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des informations. Après, nous avons nos amis, les Américains, les Anglo-Saxons, là, toujours, on peut dire, avec des feux d'artifice. Hein, voilà, là, tu es très, très étonné dans la situation. Tu t'attendais pas à ça. Par rapport à des gens qui sont beaucoup, je veux dire, qui sont beaucoup nourris, on peut dire peut-être des autres, voilà, qui ont beaucoup volé aussi, c'est possible. Et donc là, dans la situation, je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, soit tu prends ton passeport et tu t'en vas, soit tu déménages, soit tu fais un déplacement. Voilà, mais là, visiblement, enfin, je veux dire, ça peut être aussi des gens qui ont voulu se déplacer par rapport peut-être à des Américains. Et je veux dire, tu es resté dans ton frigidaire, hein, ça peut être ça, parce que moi, si vous voulez, j'ai iode inversé là-dessus. Hein, voilà. Donc là, visiblement, pour certains, je veux dire, on va dire un déplacement, hein, si vous êtes d'origine anglo-saxonne, je veux dire, ça vous a complètement plombé. Pour d'autres, il s'agit de transformation et de mortalité. Voilà, il s'agit aussi, on peut dire, de nettoyage par rapport à des informations, hein, puisque moi j'ai le ruisseau, la source et la mer, par rapport à des gens qui sont au bord de l'eau, hein, puisque j'ai le coquillage. Oui, c'est par rapport à des choses qui s'arrêtent, hein, des choses qui étaient gelées. Alors peut-être qu'il y a, je veux dire, des choses qui étaient bloquées. Et en fait, là, on est en train de. On est en train de voilà, on dit stop, on peut dire peut-être sur des choses qui sont très couvertes. Alors ensuite, toujours avec mes petits papiers là. Donc là, j'ai toujours une manipulation, hein, une manipulation entre amis, sexe, mensonge et vidéo. Hein. Et donc c'est alors. Donc dans le passé, c'est on a bloqué une situation, on peut dire, où il y a une situation qui a été bloquée. C'était un crime pour effacer quelqu'un. Voilà. Et donc on a bloqué une situation. Et là, visiblement, enfin, je veux dire, c'était pas un cadeau l'histoire, hein. L'histoire de manipulation, hein, des gens qui se sont fait, voilà. Alors, il faut toujours, c'est retombé au même endroit, voilà, donc il faut toujours se méfier dans la situation. Si vous êtes blond ou si vous êtes blonde, ou si vous avez en face de vous, on peut dire des gens qui sont blonds ou blondes, mais moi c'est surtout par rapport à des blonds et par rapport à des blondes. Là, il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup se méfier sur une manipulation, surtout si c'est vous qui avez manipulé.
Puisque là, moi, j'ai la grosse débandade. Donc, alors peut-être que le sexe, ça marche plus, et que c'est la débandade aussi. Mais là, j'ai plutôt sauf qui peut, Sauf qui peut, je veux dire, c'est les amis qui se barrent, parce que là, y a eu trop de mensonges dans la situation. Et le mensonge aussi, c'est par rapport, on peut dire, à un notaire ou des documents. Voilà. Bon, après, ça peut être aussi un défibrillateur, je veux dire, si les choses sont claires. Et c'est par rapport aussi à un héritage. Et on peut dire que dans un conseil d'administration ou une réunion professionnelle, il va y avoir un gros coup de gueule, mes amis. Un gros coup de gueule sur les torchons et les serviettes. Je veux dire, on a foutu les serviettes dans les torchons, on n'a rien vu, on a tout mis, je veux dire, dans une couverture. Un gros coup de gueule sur le traitement d'une affaire et un gros coup de torchon. Alors les torchons, je les ai deux fois. Donc on peut dire qu'on va mettre beaucoup de torchons à la poubelle. On va garder que les serviettes. Et on va essayer de plus mélanger. Donc le notaire et l'héritage, j'ai toujours le chalet de montagne. Alors si vous habitez en Suisse, enfin je veux dire, faites attention au chocolat. Voilà. Donc là, sur un chalet de montagne, il y a un mauvais présage. Par rapport à des gens, je veux dire, qui vous ont raconté des salades, des gens, je veux dire, qui ont pris peut-être de mauvaises résolutions, ou je veux dire, tu croyais que tu avais la solution, et puis en fait, non. Un mauvais présage sur des fake news, Surtout si tu es dans une chambre, Et si tu as des problèmes de santé, À la montagne. Donc, on est toujours sur l'été. Donc, nous sommes le 27 aujourd'hui. Donc, la protection. Alors, tu as peut-être chez toi une petite statuette. Je veux dire, tu as peut-être, je veux dire, chez toi une statuette qui a été donnée par une vieille. Ça peut être évidemment ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, je veux dire, ou ta mère. Parce qu'en même temps, je veux dire, j'ai la prière. Pour d'autres, je veux dire, vous allez prendre votre tapis de yoga. Pour d'autres, ça va être la salutation au soleil. Et il y en a qui font du tai chi chuan. Y a ça. Et donc là, j'ai toujours sur des châteaux et des terres le baron de l'Écluse et les enfants du bon Dieu. Bon, donc il va falloir arrêter de boire, mes amis. Il y a des gens qui sont dans un appartement, là, ou dans une chambre. Des gens qui font des produits bio. Donc, on est toujours avec des agriculteurs. Après, j'ai une grosse régénération et une grosse désidentification par rapport au pipeau et la tâche. Donc, je veux dire, t'étais collé avec un mec qui te racontait du pipeau. Ou, enfin, je veux dire, si t'es un homme, t'étais collé, on peut dire, avec quelqu'un qui t'avait attaché ou, je veux dire, quelqu'un qui était une tâche. Et pour d'autres, on peut dire dans le passé. Donc là, visiblement, nous avons toujours des personnes, on peut dire Pékin Express. Là, il n'y a pas de retour choc. On va pas revenir. On va pas revenir sur Pékin Express. Sur des histoires de squelettes, de viscères et de catharsis. Là, on ne reviendra pas sur les saucisses. Alors, après, nous avons les initiales. Donc, on a voulu, on peut dire, décentrer des initiales. Donc, après, il faut reprendre mes vidéos, évidemment. Je veux dire, si vous vous retrouvez dans mon tirage. Donc, voilà. Donc, c'est des gens, on peut dire, qui ont voulu vous mettre sur une autre voie. OK. Donc, là, on peut dire. Donc, là, dans le passé, il y a une reliance et une intelligence cerveau-corps. Par rapport à des initiales. Voilà, c'est ça. Il y a une reliance avec des initiales, on peut dire, qui correspondent à de l'intelligence, du cerveau, cerveau-corps, corps-esprit. C'est par rapport à un souvenir dans un restaurant à New York. Bon, il y a plusieurs restaurants à New York, je ne peux pas vous dire lequel c'est. Enfin bon, si vous avez du mal à réfléchir, c'est peut-être l'escargot. Et donc là, il faut se méfier dans la situation,
Parce que là, je veux dire, ça va être le terminus des trains, je veux dire, sur la boîte d'interrupteur du défibrillateur. Hein. Là, il y a un gros problème, on peut dire, avec des gens, je veux dire, c'est des jaunes. Hein, les jaunes, évidemment, c'est des traîtres, hein, mes amis, c'est comme ça. Et j'ai toujours trois couleurs, hein, donc ça peut être aussi, évidemment, des casaques, ou je veux dire, ça peut être des blasons, hein, je veux dire, ou c'est des logos, hein, enfin voilà. Et c'est toujours par rapport à des blonds ou des blondes. Mais là, ce que je veux dire, là, c'est le terminus des trains. Hein. C'est le terminus des trains aussi pour les torchons dans les serviettes, hein, les gens qui se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Hein, voilà, des gens, je veux dire, des gens qui sont pas de chez nous. Voilà, des gens, je veux dire, qui s'achètent des blasons, qui s'achètent des logos, qui s'achètent une notoriété. Et je veux dire, la boîte, enfin les jaunes, là, c'est par rapport aussi à la pompe à essence. Hein. Donc là, on peut dire que dans une situation, il y avait des gens, je veux dire, chez eux, c'était la pompe à essence. Hein. Je veux dire, tout le monde venait servir. Hein. Donc là, bon, là, dans le passé, j'ai quelqu'un qui fait de la boxe. Moi, bon, c'est peut-être une femme, hein, Million Dollar Baby, hein, peut-être que tu fais de la boxe. Ou je veux dire, si tu as un enfant, il coûte 1 million de dollars. Par rapport à double A, donc ce sont des personnes avec une notoriété, on peut dire très forte, on peut dire dans des agences, on peut dire de mannequins, hein, par exemple, ou des agences de célébrités. Voilà, des gens qui sont très célèbres. Hein. Donc après, nous avons des gens, on peut dire, là, tu vas être le winner, hein, de la situation. Tu vas être le winner de la situation sur, je veux dire, un notaire, un héritage, un conseil d'administration ou une réunion pro. Par rapport à des gens, je veux dire, ça va être le gros coup de gueule. Surtout si tu es un blond ou si tu es une blonde. Hein. Là, alors il y a peut-être peut-être des gens, je veux dire, qui vont gueuler aussi sur des blonds ou sur des blondes. Hein, c'est possible. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai des gens, il s'agit en tout cas de double A, donc de personnes, on peut dire, avec une forte notoriété dans leur domaine. Il s'agit de personnes aussi qui reçoivent évidemment des awards. Et là, là, dans la situation, parce que toi, je veux dire, on t'a décentré, enfin, je sais pas, y a un problème, on peut dire. Tu vas te laisser guider par un chien fidèle, souvenez-vous des gisants, hein, bien sûr. Parce que là, dans la situation, il y a des personnes qui sont totalement blind. Hein, donc voilà. Donc mon petit papier est bleu, on peut dire éventuellement, ça peut être, on peut dire aussi, ça peut être Marie, ça peut être aussi un conseil de vérité, hein, parce que c'est bleu, hein, voilà. Et donc c'est par rapport à la chambre, toujours, hein, donc je l'ai deux fois. Donc la chambre, ça peut être dans un chalet aussi, à la montagne ou en hauteur, hein, parce que là, y a un mauvais présage, hein. Par rapport à des gens qui sont filmés. Hein. Je veux dire, t'es regardé, t'es filmé, t'es dans des films, t'es connu. Ou je veux dire, ou sinon, on vous a mis dans un film, on vous a mis dans un scénario, et je veux dire, c'était juste des fakes, hein, c'était des fake news. Et pour d'autres, je veux dire, le défibrillateur, je veux dire, il a l'air. Il n'avait pas l'air, il avait pas l'air très très bien adapté, hein, à la situation. Donc là, dans la situation, donc c'est l'été, on va changer de perspective. Et là, je veux dire, si on t'a mis, voilà, si t'as un chalet de montagne, si on t'a fait faire, on peut dire, des fausses résolutions pour ta santé, ben là, il va falloir que tu ne reviennes jamais. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose, il ne faut pas revenir dans un chalet de montagne, pour certains, si vous êtes blond ou si vous êtes blonde. Hein, parce que là, visiblement, il y a des fax, y a des fake news, et je veux dire, on va essayer de te remettre dedans. Hein. Donc là, il ne faut pas se déplacer si vous avez un chalet de montagne ou si vous voulez aller dans un chalet de montagne, hein, quel qu'il soit. Voilà, c'est assez clair. Et c'est l'été, hein. Parce que là, je vais te dire, là, il va falloir que tu mettes beaucoup de choses à la poubelle. Et par rapport au chalet de montagne, il y a des gens qui veulent peut-être te bloquer. Qui veulent te bloquer. Hein, et je veux dire qu'il y a des gens qui veulent pas que tu prennes que tu prennes la route. Hein.
des gens qui veulent plutôt que voilà, t'ailles plutôt à la poubelle, hein, je veux dire. Surtout si tu appartiens à un conseil d'administration ou une réunion professionnelle, ou je veux dire si tu as une entreprise, hein, et si tu te retrouves dans mon tarot, enfin dans mon voilà, dans mon explication. Donc après j'ai je veux dire là j'ai un petit rat sur un tapis de yoga. Voilà, il s'agit voilà, de deux gens qui peuvent être sur leur serviette, hein, en train de prier. Voilà, le petit rat, c'est Ganesh, a un projet en or ou un projet d'argent, ou je veux dire, c'est l'été. Et le petit rat, c'est aussi la petite statuette et la protection. Alors pour d'autres, je veux dire, c'est un collier de chaman fait avec les dents, hein. Et par rapport à une femme grande et exotique, hein. Là, je veux dire, toi, tu as une protection. Alors, si tu es grande, exotique, je veux dire, si tu es blonde, je veux dire, méfie-toi du chalet de montagne, hein, le mauvais présage, hein. Ouais, parce que là, visiblement, ce qu'on veut faire, c'est te mettre à la poubelle, hein. Bon, ensuite, hein. Donc là, on va avoir des révélations, hein. Bon, là, visiblement, il y a des gens, je veux dire, dans le passé, c'était le sacrifice. Le sacrifice avec un défibrillateur ou quelqu'un qui pouvait jouer du piano aussi. Des gens qui ont été hackés. Hein. Visiblement, le défibrillateur, il a vraiment pas marché. Hein. Je sais pas, il hein. Y a un truc. Hein. Ça a été le gros sacrifice. Hein. Bon, là, il y a des gens qui vont se rendre compte. Hein, parce que j'ai révélation. Voilà. Et en fait, ce que tu vas te rendre compte aussi. C'est la bande-annonce. Voilà, quelqu'un t'envoie une bande-annonce. Donc il peut s'agir aussi, je veux dire, d'une bande, hein, d'une bande de plusieurs personnes qui te font des annonces ou qui t'annoncent quelque chose. Alors surtout, je veux dire, si c'est par rapport, je veux dire, à des gens qui boivent du vin, hein, le baron de l'Écluse. Hein. Bon, après, il faut regarder le film, bien sûr. Aussi, les enfants du bon Dieu. Hein. Donc là, il va y avoir une révélation, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des gens qui sont pris les pieds, je veux dire, dans une toile, hein, une toile d'araignée, ce n'était pas la toile du cinéma. Donc après, nous avons, on peut dire, le pipeau et la tâche. Voilà, le pipeau et la tâche, hein, toujours le baron de l'Écluse, les enfants du bon Dieu. Et là, j'ai deux personnes, hein, shame, shame, shame on you, Cher et Tina, hein, donc il y a deux femmes aussi. Deux femmes, je veux dire, qui ont manigancé des trucs, je veux dire, pour pipoter, on peut dire quelqu'un. Et Shame on You, c'est aussi sur Pékin Express. Hein. Là, visiblement, je veux dire, on se sépare de beaucoup de monde. Voilà, par rapport aussi à Butterfly, hein, donc il faut regarder l'opéra. Butterfly Rebounds. Donc là, on peut dire, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation aussi. Hein. Voilà, Ray-Bans, ça fait plutôt penser voilà, quand vous gagnez, on peut dire une course à cheval. Je veux dire, t'as ton petit Ray-Bans, hein, voilà. Après, ça peut être aussi un logo, on peut dire peut-être, je veux dire, par rapport à une entreprise ou voilà, par rapport à un groupe, hein, le petit butterfly. Des gens qui reçoivent des awards ou je veux dire qui gagnent des courses de chevaux. Et là, visiblement, dans la situation, enfin, je veux dire, les gens là de Pékin Express, c'est des gens qui voulaient vivre peut-être sur ton dos, je veux dire, sa vie en 12 tableaux. Hein. Donc, toujours des gens, je veux dire, qui veulent s'approprier, on peut dire, le bien d'autrui. Et donc, ben, enfin vivre en 12 tableaux, enfin, je veux dire, dans le passé, j'avais un Pékinois ou un Asiatique. Hein, voilà, bon, après, ce sont mes cartes, hein, je fais ce que je peux. Par rapport au baron de l'Écluse, hein, des gens qui faisaient des produits bio, hein, voilà, qui étaient dans la terre, enfin je veux dire qu'il y avait des terres, et c'est toujours par rapport au chalet de montagne. Donc là, il faut parvenir, hein, mes amis, hein, surtout pas, hein, voilà, il faut absolument changer, on peut dire, de perspective, hein, ne jamais revenir, hein, parce que, je sais pas, pour certains et certaines, je veux dire, vous avez des problèmes de cœur. Je veux dire, ça va être le défibrillateur, mais le problème, c'est que le courant va être inversé. Enfin, les ondes, ça va pas être ça. Hein. Ok. Alors, je vais prendre mes petits numéros.
Ah, y a des gens, je veux dire, ils ont mélangé les torchons et les serviettes, là c'est sûr, hein. Dire, quand t'as une belle salle à manger, je veux dire, à tes invités, tu leur mets des torchons, c'est clair que bon, les gens vont pas être contents, hein. Allez. Bon, méfiez-vous des personnes qui vous font des fausses résolutions. Hein, voilà, qui vous disent, genre, t'as un médecin, il dit oui, il faut que tu fasses ci et tout ça. C'est un mauvais présage, mes amis. Hein. Vous n'allez pas sortir de votre chambre. Hein. Des gens, je veux dire, qui sont épiés, hein, énormément espionnés. Hein. Bon, là, il y a des gens qui reçoivent un petit rat chez eux, un petit ganesh, hein, un petit projet, une petite statuette. De la protection. Allez. Donc là, effectivement, nous allons avoir un gros rééquilibrage dans la situation, hein, avec, on peut dire, un gros jugement sur un mariage ou, si je veux dire, sur des contrats, là, visiblement, où tout le monde s'est gavé. Hein, je veux dire, si tu as du chocolat en Suisse, je veux dire, tout le monde s'est gavé dans ton dos. Hein. Tout le monde s'est gavé sur des histoires de documents notariés, administratifs, judiciaires ou d'héritage. Je veux dire, là-dessus, je veux dire, là c'est la débandade. Hein. C'est sauf qui peut. Hein. Effectivement, dans une situation, je veux dire, voilà, là c'est du gros blocage. Gros blocage là-dessus. Hein, c'est pour ça que j'ai baisse inversée. Et je veux dire, le gros blocage, je veux dire, c'est par rapport aux saucisses qui sont au frigo. Hein. Il y en a deux. Hein. Voilà. Des gens, je veux dire, ils voulaient recommencer quelque chose. Manque de bol, je veux dire, ça s'est bloqué. Et je veux dire, il s'agit pour d'autres de mortalité. Voilà. Ou de grosses transformations. Mais là, je veux dire, c'est pas ce que je sens, hein, mes amis. Hein. Donc là, on a bloqué des gens. Ok. Donc là, dans la situation, par rapport, on peut dire, à des personnes qui vous entourent, notamment des Asiatiques, on va essayer de vous faire changer de chemin, des fausses résolutions. Voilà. Bon, bah là, c'est un mauvais présage. Hein. Bon, pour d'autres, je veux dire, il y a un mauvais présage sur Pékin Express. Hein. Un truc, je veux dire, une catharsis. Hein. Visiblement, on va se séparer. Hein. Je sais pas, il y a un truc. Hein. Donc là, visiblement, ce qui brûle dans la situation, c'est par rapport, on peut dire, au pouvoir. C'est par rapport à un homme. Voilà, donc voilà, ça peut brûler dans la situation, mais on ne dit rien. Hein, voilà, c'est par rapport plutôt à des anglo-saxons. Ok. Et ce qui brûle, en tout cas, je veux dire, c'est par rapport à une femme. Mais là, enfin, je veux dire, guillemets, c'est inversé. Et je veux dire, il y a des gens, je veux dire, ils vont pas avoir leur héritage. Ou ce qui brûle, je veux dire, c'est par rapport à une femme dans un conseil d'administration. Hein, par rapport à des personnes d'origine anglo-saxonne. Des gens, je veux dire, ils vont se piquer des gros coups de gueule. Hein. Parce que, visiblement, les saucisses dans le frigo, je veux dire, on t'en a pas parlé. Hein. Et pour d'autres, je veux dire, on est venu chez toi, je veux dire, ta boîte de chocolat suisse, je veux dire, on l'a bouffée. Hein. Et donc, après, nous avons toujours, on peut dire, une personne qui n'arrive pas à avancer, hein, une personne qu'on a bloquée. Donc, c'est par rapport à des documents administratifs, des passeports, je veux dire, peut-être des gens qui veulent se déplacer ou un voyage. Donc là, c'est pareil. Donc là, dans la situation, je veux dire, si tu as un rapport avec le chocolat suisse, donc là, toi, je veux dire, tu vas changer de direction, là, parce que là, tu es écœuré, hein, je veux dire, tu as la nausée. Tu as la nausée sur des documents, je veux dire, d'héritage, et peut-être sur un mariage, hein, puisqu'évidemment, ça symbolise le pas. Donc, tu changes de direction. Ensuite...
Donc là, nous avons 8 inversés sur, je veux dire, les saucisses. Donc là, je veux dire, dans une situation, c'est peut-être aussi une histoire de triangulaire. Je veux dire, une nana, je veux dire qu'il y avait deux mecs. Hein. Tu avais deux saucisses dans ta vie, hein, que tu avais mis au frigo aussi. Donc là, je veux dire, il y a une augmentation du karma, on peut dire, pour une femme. Voilà, bon, mais on n'a rien dit, hein, voilà. On ne dit rien. Et là, nous avons toujours nos amis asiatiques, voilà, qui... ah, excusez-moi, j'arrive. Donc, je reprends. Alors, donc voilà, donc on a, on peut dire, une personne asiatique, visiblement, qui veut reprendre le contrôle. Voilà. Donc là, je veux te dire, voilà, donc on essaye, on peut dire, de te faire changer d'avis. Enfin, je veux dire, le truc est assez simple. Ok. Donc là, on peut dire, c'est des communications, c'est des appels. On essaye de te décentrer. Donc, avec les Américains... Bon, parce que voilà, c'est marqué, voilà, avec les Américains. On peut dire que là, c'est toujours par rapport à une femme. Ok. Attendez, je vais en mettre une. Donc, c'est toujours par rapport à un héritage. C'est toujours par rapport à de l'argent. Et là, dans la situation, pareil, hein, on peut dire on va changer de route. On va changer de route par rapport à une femme. Voilà, ou à une personne, ou par rapport à de l'argent. Mais, je veux dire, on va te faire de fausses résolutions. Et, je veux dire, c'est un mauvais présage. On peut dire que là, c'est des fake news, hein. Voilà. Des grosses fake news, hein, dans la situation. Alors, sur les documents administratifs, les passeports, je veux dire, des gens qui veulent se déplacer. Bon, là, visiblement, nous avons une conversation très chaude. Très, très chaude, hein. Je veux dire, par rapport, on peut dire, à des initiales, hein. Alors, c'est peut-être pas initiale bébé, mais enfin, je veux dire, bon, après, il faut regarder Serge Gainsbourg. Mais là, je veux dire, si t'es blonde, je veux dire, si tes initiales, c'est bébé... je veux dire, le truc, je veux dire, je sais pas, hein, mais méfie-toi. Hein. Donc là, on peut dire sur des conversations par rapport à des passeports ou des déplacements. Bon, bah là, je veux dire, il y a quelqu'un qui dit rien. Il y a quelqu'un qui ne parle pas ou peut-être que l'on te cache des choses. Hein. Voilà. Donc fais très attention. Hein. Je l'ai deux fois. Hein. Là, visiblement, il y a plusieurs appels dans la situation. Et quelqu'un ne parle pas. Hein. Par rapport, on peut dire, à des gens qui se déplacent, ou je veux dire, des gens, je veux dire, ils sont peut-être en voyage aussi. Mais j'ai quand même, on peut dire, une femme qui s'en va. Alors, la femme, elle est peut-être harcelée par des gens aussi asiatiques ou de Pékin, hein, des gens qui veulent te faire changer d'avis. Par rapport à Butterfly Ribbon, alors on a peut-être aussi, je veux dire, des femmes qui montent à cheval, on ne sait pas. Hein. Donc, là, c'est 9. Donc, on te parle de choses du passé. Ok. Et c'est toujours par rapport, on peut dire, à une femme. Ou c'est par rapport, on peut dire, à un héritage. Et comme j'ai 33, on peut dire, inversé. Hein, il peut s'agir de deux personnes. Aussi, je veux dire, en sacrifice. Hein, 33, c'est le Christ. Hein. Dans un voyage ou dans une situation ou dans un déplacement, hein, ok. Voilà. Et après, nous avons... bon, bah écoutez, il ne faut pas répondre, hein, parce que je veux dire, tout ça, je veux dire, ça va vous mettre, on peut dire, vraiment très bas, on peut dire, au niveau du karma. C'est des gens, on peut dire, ils ne savent plus quoi faire, c'est la débandade, c'est sauf qui peut... voilà, c'est par rapport à une mission aussi dans le passé, c'est par rapport au baron de l'Écluse, aux enfants du bon Dieu. Enfin, je veux dire, voilà, et là, il y a un très mauvais présage sur un chalet de montagne. Hein. Et là, on te dit, je veux dire, là, il faut absolument que tu changes de perspective et ne jamais revenir. Hein. Parce que là, je veux dire, la route, je veux dire, elle va se couper. Hein.
Ouais, ça va être hop poubelle, hein. Par rapport à des gens qui ont des initiales, hein, aussi. Je sais pas, il y a des trucs, il y a des initiales. Alors, je vais dégager là, et puis je reviens. Voilà, je reviens. Alors, je fais mes petites scénettes, hein, comme vous le savez. Donc là, nous avons Marina Abramovic. Donc, il faut prendre les phonèmes, les noms, les prénoms. Donc, elle est inversée. Donc, Marina, visiblement, elle aime bien les anglo-saxons, elle aime bien les américains. Enfin, je ne sais pas, il y avait un truc où vous êtes d'origine anglo-saxonne. Après, nous avons Cindy Sherman. Quelqu'un qui met des masques, hein. Je veux dire quelqu'un qui a des perruques, hein. Quelqu'un qui n'est pas elle-même. Alors, la personne qui n'était pas elle-même, c'est aussi peut-être, je veux dire, une personne d'origine asiatique, hein. Moi, j'ai Pékin Express. Bon, quelqu'un qui raconte la vérité, mais malheureusement, c'est toujours dans les fictions. Alors, après, nous avons Buckminster Fuller. Donc, quelqu'un qui a caché deux saucisses dans un frigidaire. On n'a rien vu. Donc, voilà, quelqu'un qui est dans les télécommunications. Et après, nous avons Jeff Koons. Voilà, Jeff Koons, on peut dire, voilà, qui est dans le bling-bling, qui mange beaucoup de chocolat en Suisse, ou je veux dire, quelqu'un qui s'est goinfré, hein. Voilà. Voilà, quelqu'un qui est plutôt, on peut dire, un ballon d'hélium, hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui se gonfle comme un bœuf, mais qui n'a pas grand-chose. L'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Bon, bah là, visiblement, ça va pas bien se passer. Voilà. Et donc, on peut dire que, en contre, nous avons Piètre Mondrian. Je veux dire, là, lui, toi, tu bloques les histoires de documents administratifs, les passeports. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et puis, il y en a un autre, hein, qui bloque, hein. Ouais, il y en a un autre qui bloque, hein. C'est un Italien. Hein. Donc là, les deux, là, ils bloquent beaucoup, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de documents, beaucoup de passeports, hein. Voilà, ou des gens, je veux dire, qui empêchent peut-être d'autres personnes de se déplacer. Voilà, et c'est toujours par rapport, on peut dire, à un homme d'un certain âge, je veux dire... qui est enfermé, hein. Enfin je ne sais pas, mais là visiblement on est bloqué. On est bloqué dans une situation, on ne voit rien, hein, visiblement. Et ce que tu vois pas, on peut dire, c'est par rapport, on peut dire à des gens du passé, c'était pareil, hein. Ils ont vécu les mêmes choses, hein. Voilà, bon. Donc nous avons du monde, hein. Je veux dire, des mondes. Des gens très très fébriles, hein. Des gens, je veux dire, ça va être la débandade sur le défibrillateur, hein, ou sur le piano, hein, on ne sait pas. Voilà, alors je vais prendre mon petit tarot maintenant. Donc là, effectivement, avec Marina Abramovic, hein, nous avons, on peut dire, une arrivée. Hein. Voilà une arrivée par rapport, on peut dire, Marina Abramovic qui est inversée aujourd'hui. Voilà, alors ce qui arrive, c'est, je veux dire, des informations sur de la trahison. De la trahison dans le passé où, je veux dire, si t'es brune, je veux dire, t'as rien vu. Hein, si t'es scorpion. Et je veux dire, tu t'es fait manipuler par des personnes d'origine anglo-saxonne, hein, pour certains. Voilà. Ouais, et c'était pas un cadeau, hein. Alors pour certains, c'est de la manipulation entre amis, sexe, mensonge, songe et vidéo. Je veux dire, on t'a fait prendre peut-être tes copains, je veux dire, pour ce qu'ils n'étaient pas. Et pour d'autres, c'est pour effacer un crime. Bon. Alors après, nous avons de la satisfaction. Donc l'arrivée, on va être très très satisfait. Bon, Marina, elle va pas être très satisfaite, visiblement. Si, voilà, si elle est brune, je veux dire, t'es pas très satisfait par la fille blonde, hein. Voilà. Je veux dire, il y a une femme blonde, on l'a mis dans de la friponnerie, on l'a mis dans de la trahison. Voilà, par rapport, on peut dire, à des personnes d'origine, je veux dire, anglo-saxonne.
ou par rapport à une femme brune. Donc, je veux dire, l'histoire là, sur les Américains, hein, voilà. Bon, bah, c'est par rapport à un héritage, hein, mes amis, hein, c'est comme ça, voilà. Ça, et là, on pleure, hein, on pleure sur l'héritage, on pleure sur les parents. Parce que là, dans l'histoire, il y a des parents qui ont été trahis. Alors, les parents, c'est peut-être aussi par rapport à une fille blonde ou à une femme blonde. Et là, je veux dire, tu vas avoir les effets dans la matière, hein. Ouais. Bon, là, j'ai plusieurs choses, hein. Enfin, j'ai de la friponnerie, j'ai de la duperie. C'est un œuf de denier bien droit. Donc là, on peut dire que les informations qui arrivent, je veux dire, elles sont la bienvenue sur, je veux dire, plusieurs trahisons, hein. Voilà. Par rapport aussi à une femme, hein. Souvenir, restaurant New York, hein. Alors ça peut être aussi une vieille, hein, ou une personne qui n'est plus sur ce plan-là. Quelqu'un qui avait des problèmes de cœur. Hein. Quelqu'un qui pouvait jouer du piano ou qui aimait la musique. Donc après, nous avons Cindy Sherman. Je veux dire, des gens, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Hein, je veux dire, c'était le gros transformiste, hein, je veux dire, le Pékin, là. Pékin Express, le chinois ou le japonais, c'était de la grosse transformation. Donc dans la situation, bah voilà, bah, je veux dire, c'est la débandade, hein, je veux dire, tout, voilà, sauf qui peut, pour des gens, je veux dire, Pékin Express, la mission choque, hein, je veux dire, ça choque plus rien. Hein, la mission, là, sur le baron de l'Écluse et les enfants du bon Dieu, bah voilà, bon, bah écoutez, c'est Cindy, je veux dire, Cindy est en feu, hein. Cindy est en feu, hein, voilà. T'as dit la vérité, mais c'était de la fiction, hein. Manque de bol. Hein. Sur un amant ou une amante. Et je veux dire, là, tu vois, tu vas voir très très clair la chose. Je veux dire, sur ton amant ou ton amante. Hein. Donc là, nous avons, je veux dire, les effets d'un héritage sur une femme blonde, une femme en place, hein, par rapport à un amant ou une amante. Hein. Tout le monde se barre. Hein. Donc là, je veux dire, il faut se méfier parce que là, je veux dire, il y a une femme blonde. Je veux dire, ou t'es blonde, ou je veux dire, t'es blond. Enfin, je veux dire, ça va pas aller. Enfin, je veux dire, là, il faut se méfier autour de vous. Hein. Et donc, les effets, eh bien, cela sera un parfait contentement sur des gens qui ont porté beaucoup, beaucoup de masques. Et pour d'autres, vous n'aviez que des traîtres autour de vous, hein, des jaunes. Hein. Ah, visiblement, le restaurant de New York, je veux dire, ce sera plus qu'un souvenir. Hein. Donc après, nous avons quelqu'un qui tient les réseaux de télécommunication dans ses mains, hein, comme toujours. Désolé pour ma carte. Donc là, on va récupérer, on peut dire, deux saucisses dans un frigo, ou je veux dire peut-être deux personnes, on ne sait pas. Voilà, et là on peut dire que là sur les réseaux de télécommunication, enfin je veux dire, ça va être la débandade, personne ne sera content. Hein. Là, visiblement, sur des gens qui se sont servis, on s'est servi peut-être dans ton, voilà, chez le notaire, dans ton héritage, à ta banque. Je veux dire, là, j'ai un 5 de denier, hein, mes amis. Hein, je veux dire, c'était pas pour faire du bien aux gens. Ah bah oui, bah on a des gens autour de vous, vos amis vont avoir des problèmes. Hein. Voilà, là les amis, ils vont avoir de gros ennuis, hein, visiblement parce que y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Hein, quatre de coupe, hein. Il y a une information qui était cachée, mes amis, hein, cachée par des gens qui se baffrent de chocolat en Suisse. Hein. Voilà, des Jeff Koons, hein. Voilà, des gens qui ont du Jeff Koons chez eux. Donc là, toujours pour Buckminster Fuller, bon, bah là, ce qu'on a caché, c'est une histoire de maladie, hein, de défibrillateur qui ne marchait pas, ou, je sais bien, ou de piano cassé, on ne sait pas. Voilà, des gens qui n'ont pas été prudents. Et les ennuis, c'est par rapport, on peut dire, aux nouvelles connaissances du passé. Hein, les gros amis, hein, les amis qui vous ont mis dans les mensonges. Donc là, je veux dire, après cette histoire-là, voilà, des gens qu'on met dans la maladie, hein, voilà. Bon, ben là, je veux dire, il y a une femme blonde, je veux dire, elle se barre, hein, je veux dire, toi, tu prends la route. Hein.
tu prends la route, je veux dire, après une déclaration, un gros coup de gueule, je veux dire, dans un conseil d'administration ou une réunion professionnelle, t'en as marre, hein, je veux dire, t'as les effets de toute ta généalogie et de tout ton héritage, je veux dire, sur les épaules. Et pour d'autres, je veux dire, c'est une histoire avec un baron, hein, le baron de l'écluse, hein, le baron qui écluse, le baron qui boit trop de vin. Hein. Alors, après, nous allons sur les chocolats suisses et sur Jeff Koons que je vous montre. Voilà, donc Jeff Koons, lui, je veux dire, il est très embarrassé, hein, il est dans les ennuis hein, par rapport à des réseaux de télécommunication. Donc là, je veux dire, c'est la tempérance, hein, je veux dire, voilà. Voilà, la personne, là, elle a le kitsch dans l'œil. Hein. Bon, là, visiblement, le kitsch, c'est du passé. Hein. Bon, la déclaration aussi, je veux dire, c'est par rapport aussi, je veux dire, des gens, enfin, je veux dire, soit vous allez faire des prières, soit vous allez voir un prêtre. Hein. Et là, enfin, je veux dire, bon, il y a des personnes, ils sont dans les ennuis. La tempérance, c'est aussi 14, c'est aussi la communication par rapport à un prêtre, hein, voilà. Donc, on avait peut-être aussi ouais, ou ça peut être quelqu'un qui peut avoir une certaine autorité, un double A. Ouais, c'est ça. Ou une reliance, on veut dire, avec une intelligence supérieure, un cerveau-corps. Et donc là, nous avons la force dans la situation. Voilà, donc on peut dire que... Alors, pour certains, y a une femme blonde, je veux dire, c'est le souverain. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'Ave Maria. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais remettre une petite carte sur la tempérance, hein, sur Jeff Koons. Hein. Jeff Koons qui a peut-être un chalet de montagne. Donc, là, dans la situation, c'est par rapport à une veuve. Hein. Donc, là, on a un homme, je veux dire, qui est à fond dans le bling-bling. Je veux dire, qui est très, très ennuyé par rapport, on peut dire, à une veuve. Hein. Ah, ouais, là, je vais te dire, là, Jeff Koons, il va être obligé de se barrer, hein. Parce que là, la veuve, je veux dire, elle a de la force. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport à un homme en place, à un homme blond dans le passé. Ok. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'on a des gens beaucoup, beaucoup dans le bling-bling. Hein. Je veux dire, allez hop, poubelle. Hein. Là, je veux dire, là, tu prends la route. Hein. Ouais, à cause de révélations. Hein. Là, je veux dire, la bande-annonce, je veux dire, tu ne l'envoies plus. Hein. Alors, pour d'autres, la bande-annonce de Marina Abramovic, enfin, tu décroches plus non plus. Hein. Et donc, après, nous allons aller vers la prospérité. Voilà, je vous montre. Après, c'est un 4 de bâton inversé. Il faut comprendre que dans la situation... il s'agit aussi évidemment de choses qui ont été énormément détruites. Voilà, donc on peut dire que pour du monde, je veux dire, c'est le terminus des trains. Hein. Hein, pour Pékin Express, pour on peut dire un homme blond dans le passé qui pouvait être le baron de l'écluse, les enfants du bon Dieu. Des gens, je veux dire, on a essayé de rapiner leur héritage hein, par rapport à leurs parents. Des gens qu'on a mis dans la trahison aussi. Hein. Bon, si tu es une femme blonde, je veux dire, on t'a mis dans la trahison. Par rapport à des gens d'origine anglo-saxonne, plutôt brun ou brune aussi, mais c'est par rapport à une femme. Donc voilà, après, il faut regarder les codes couleurs, bien sûr, aussi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui avait la tête à l'envers, je veux dire, une femme en rouge, une femme brune. Voilà, des gens, je veux dire, on a essayé de leur casser beaucoup de choses. Hein. Allez, je continue. Hein. Hop. Donc, il y a des gens qui se demandent si je suis bien et tout ça. Je dis oui, je suis bien. Mais sauf que le matin, je veux dire, quand je fais mes vidéos, enfin,
Voilà, je suis un vrai diesel, hein, donc c'est pour ça que. Mais sinon, je veux dire, moi je vais bien, tout va bien, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Donc là, visiblement, je veux dire, ça va être la honte aussi sur deux femmes, hein, ou deux personnes. Alors, l'arrivée. Bon, l'arrivée, c'est des nouvelles ou c'est de la communication. Hein. C'est par rapport, on peut dire, à un mauvais conseiller, hein, ou à un mauvais avocat, ou je veux dire quelqu'un, je veux dire qui joue double jeu avec des Américains. Voilà. Ou ça peut être aussi, pour d'autres, voilà, c'est un chaman qui vit dans la luxure. Là, vous êtes mal barré. Alors, Marina Abramovic, c'est ça aussi. C'est quelqu'un, je veux dire, qui a proféré de mauvaises informations. Voilà, par rapport, on peut dire, à des sentiments, par rapport à du cœur. Des gens qui peuvent être aussi, je veux dire, dans la peinture, hein, le café et la palette. Bon, là, visiblement, on voit clair, on peut dire, aussi sur un héritage, hein, par rapport, on peut dire, à un mauvais conseiller, un mauvais avocat, tu t'es fait rouler dans la farine, par des gens qui sont d'origine anglo-saxonne. Et pour d'autres, je veux dire, on en a mis plein les bottes, je veux dire, à une femme blonde. Hein. Donc là, je veux dire, ce qui pend, enfin ce qui arrive, bon bah voilà, on va être dans la satisfaction, mais c'est un vide de coupe inversé. C'est des gens qui ne veulent pas partir d'une situation parce que vous êtes dans le déni de réalité. Et donc, par rapport à la femme blonde, hein, ou la fille blonde, un défunt t'envoie un message. Donc là, je veux dire, si t'es blond ou blonde, je veux dire, quelqu'un t'envoie un message. C'est pour ça que tu vas être dans la satisfaction. Donc le message ou le déni de réalité, c'est que je veux dire, c'est la débandade, hein, sauf qui peut, par rapport, on peut dire, à des Asiatiques ou voilà, Japonais, Chine. Et donc la situation manque d'ordre. Pourquoi? Eh bien parce que, je veux dire, on voit clair sur une éradication de la dissolution, de l'extermination, un souvenir mémorial, hein, pour certains, je veux dire. C'était le ghetto à Varsovie. En tout cas, des choses inconscientes, on peut dire, qui remontent. Pour, je veux dire, pour aussi Cindy Sherman, hein, quelqu'un qui met beaucoup de perruques, hein, quelqu'un qui se déguise. Donc, il y a le feu sur le cheval à bascule. Hein, alors, je veux dire, il y a peut-être des gens, je veux dire, c'est des collectionneurs de chevaux, enfin, je ne sais pas, hein, mais sur les souvenirs d'enfance. Sur les Kazakhs, hein, visiblement. Voilà, on ne pariera plus sur les Kazakhs. Et donc, en tout cas, c'est par rapport, on peut dire aussi, à la ferme, le grenier des ancêtres et les photos de famille. Hein. Là, on va avoir un très, très gros éclaircissement. Et tu vas comprendre par rapport à un amant ou une amante, je veux dire, pourquoi tu étais complètement déséquilibré, hein, par rapport à de la violence et des abus. Hein. Voilà. Après, nous avons Buckminster Fuller. Bon, là, on trouve les saucisses dans le frigidaire, hein, grâce au réseau de télécommunication de Monsieur Buckminster Fuller. Donc là, les gens ne sont pas contents. Hein, je veux dire, le peuple hurle. Voilà, parce que tout le monde est dans les ennuis. Alors pour certains, bon, moi j'ai toujours, je veux dire, faut être très prudent par rapport au frère qui n'est pas à la fête. On a un frère qui n'est pas à la fête là, hein, pas du tout. Hein. Alors dans le passé, ça pouvait être un blond aussi, puisque je l'ai en inversé. Et là, je veux dire, méfie-toi, je veux dire, tu vas être dans les ennuis, je veux dire, par rapport à un mariage. Un truc que t'as pas vu, hein. Derrière, on peut dire une alliance ou un mariage. Je veux dire, t'es espionné. Hein. Et je veux dire, c'est l'éradication. Hein. Hein, il faut souvenir des choses du passé. Hein. Et là, il y a un truc inconscient que tu vas apprendre, tu vas comprendre. Hein. Visiblement, je veux dire, des gens qui reviennent et qui te racontent. Voilà, on a pris de bonnes résolutions, je veux dire, on a fait un beau contrat, une belle alliance, on va se marier. Enfin, je veux dire, c'est surtout pour te mettre à la poubelle, hein.
Voilà, donc là, les gens qui te mettent dans les ennuis, c'est toujours par rapport à des réseaux de télécommunications. C'est par rapport à des gens qui ont le goût de l'argent, des personnes vénales, sans fortune et sans talent. Et je veux dire, le frère qui n'était pas à la fête, là, l'homme blond, alors peut-être dans le passé, hein, parce qu'il est inversé. Lui, je veux dire, il avait le goût du sacré. Hein. Je veux dire, lui, je veux dire, il avait. Là, le baron de l'Écluse, là, il avait le goût du sacré. Hein. Mais manque de bol, il est à côté de Pékin Express. Hein. Des gens qui ont essayé de lui voler son camembert ou, je veux dire, ses saucisses. Hein. Alors, là, nous avons quelqu'un qui arrive. Je veux dire, sur la veuve, hein, je veux dire, t'as une fille qui arrive. Et sur Jeff Koons. Jane Frunz, visiblement, qui s'est baffrée de chocolat suisse, hein, mes amis. Hein, voilà. Vraiment baffrée. Hein. Le pape s'est baffré. Hein. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Hein. Donc, je veux dire, l'arrivée, c'est une fille facile. Une fille, voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai Raphaël aussi. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. La fille facile, c'est la petite statuette, c'est la protection, c'est l'été. Alors, l'arrivée, hein, bon, l'arrivée là sur un héritage, hein, bon, là par rapport aux Américains, enfin je veux dire, c'est pas ta flamme jumelle, hein, je veux dire, le 5 de coupe, là tu vas pleurer, hein. Voilà. Ok. Allez. Donc là, c'est Marina Abramovic, pardon. J'ai oublié de vous montrer. Donc là, Marina Abramovic, enfin, je veux dire, c'est pas ta flamme jumelle, hein, là, le mec, là. Pas du tout, hein. Enfin, c'est peut-être un Américain, hein, enfin, je veux dire, ou t'es peut-être d'origine anglaise, hein. Donc là, les effets, bon, bah, les effets, enfin, je veux dire, c'est le gossiping, hein. Là, c'est le gossip, hein. C'est le gossip pour une personne d'origine anglo-saxonne, hein. Par rapport à une femme, je veux dire, c'est pas ta flamme jumelle, hein. Bon, et c'est peut-être le gossip aussi par rapport aux parents. Bon, alors le gossip, le blabla sur un enfant royal ou quelqu'un qui porte une couronne, c'est par rapport, on peut dire, à Cindy Sherman. Hein, voilà. Donc là, je veux dire, quelqu'un qui porte des masques. Et le gossip, c'est aussi par rapport à une fille blonde ou une femme blonde. Voilà. Une femme blonde, je veux dire, extermination, dissolution, éradication. Je veux dire, t'as du lourd dans ton arbre généalogique au niveau de la Shoah, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et donc, c'est par rapport à une perte de standing social et une image people. Donc, il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur quelqu'un de blond ou de blonde. Hein. Voilà, quelqu'un qui n'est pas ta flamme jumelle. Hein. Donc là, après, nous allons aller toujours avec Cindy Sherman qui porte des masques. On va aller, je veux dire, bon, il y a des gens, je veux dire, ça brûle. Hein. Je veux dire, ça brûle. Et donc là, il s'agit toujours de documents notariés, donc, ou des documents, on peut dire, entre la France et un autre pays. Voilà, donc c'est toujours par rapport aussi à des Asiatiques, hein. Je veux dire, des gens qui ne sont pas contents, des Japonais, des Chinois, voilà. Pékin Express n'est pas content, hein. Voilà. Ouais, des gens, je veux dire, qu'on a enlisés dans des jugements, voilà, ça a été le pain dur. Donc là, on sort du pain dur. On sort du pain dur, hein. Alors pour, voilà. Pour d'autres, enfin, je veux dire, les gens qui ont raconté plein de trucs sur toi qui étaient faux, qui t'ont créé des ennuis, je veux dire, ce sont tes amis, hein. Je veux dire, c'était une grosse manipulation, je veux dire, soit sexuelle, soit de mensonges, je veux dire, et beaucoup de vidéos. Enfin, je veux dire, il y a des gens, c'est les rois de la reprise, on peut dire, de bande-annonce, hein. Alors, ensuite, hein, sur Buckminster Fuller, voilà, je vous montre. Voilà, quelqu'un, visiblement, qui est en train de découvrir deux saucisses dans un frigidaire.
Des gens qui sont vraiment. Enfin, je veux dire. Ah, c'est la débandade, hein, mes amis. Donc là, on découvre des choses dans des documents. C'est sur la maladie d'une mère. Ou d'une veuve. Ou c'est par rapport, on peut dire, à une veuve. Et c'est par rapport à une fille ou une jeune fille. Dans une histoire judiciaire. Ou des jugements. Des gens qui ont perdu aussi leur notoriété. Et donc là, et tu comprends dans la situation que tes amis t'ont mis dans la merde. Hein. Voilà. Donc par rapport à la mère, on a mis la mère et la veuve dans une maladie. Donc on a mis ta mère dans la maladie aussi, c'est possible. Voilà. Donc là, nous allons aller sur la route. Hein. Là, Jeff Koons va partir. Hein, quelqu'un de très vénal. Hein. Voilà, je vous montre. Jeff Koons, quelqu'un de très vénal, hein, voilà, quelqu'un qui mange des chocolats, quelqu'un qui se goinfre chez les autres, voilà, alors ça peut être aussi une, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça peut être aussi, voilà, des personnes sans fortune et sans talent, des personnes qui volent les autres, et là tu vas avoir les informations de la Merkaba et du Christ qui vont te pousser à partir, hein. Là il faut que tu comprennes que cela ne peut pas durer, hein, Jeff Koons. Voilà, et c'est par rapport à un chalet de montagne, c'est par rapport à un héritage, c'est la grosse débandade aussi, je veux dire, sur le baron de l'Écluse, hein, qui est un homme blond, puisque j'ai tout en inversé, donc c'est plutôt du passé. Et je veux dire, la régénération et la désidentification, je veux dire, on ne va plus recommencer l'émission de Pékin Express. Hein. Donc l'homme en place et l'homme blond, c'est par rapport à l'Afrique du Sud. La veuve, là. C'est l'Afrique du Sud. Par rapport, on peut dire, à des informations qui viennent d'une fille facile. Ouais. Et dans le passé, il y a une déclaration par rapport à un homme blond. Il s'agit du Maroc ou de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord. Visiblement... Et c'est par rapport à toujours à de l'argent. Ok. Allez. Donc là, nous avons... alors, on a aussi Pietre Mondrian, enfin, je veux dire, qui se fait dégager d'une histoire sentimentale. Ok. Hein, visiblement, elle ne t'a pas trouvé beau. Elle ne t'a pas trouvé beau. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, visiblement, je veux dire, la personne qui arrive, je veux dire, elle a quand même des problèmes pour arriver. Hein. Ouais, bon, là, visiblement, pour d'autres, je veux dire, on a quelqu'un, là, visiblement, Aguilero Boetti se fait licencier. Hein, on a peut-être aussi Pietre Mondrian qui se fait licencier dans la situation. Voilà. Et là, on peut dire ce qui arrive, c'est quelqu'un qui a le sens du geste. Ouais, c'est ça. Par rapport à une mère ou par rapport à une veuve. C'est l'été. Hein. Et la personne qui a le sens du geste, c'est une petite statuette ou c'est de la protection. Ou c'est par rapport à de la régénération ou de la désidentification. C'est Butterfly Ribbons. Hein. Enfin, je veux dire, la nana, je veux dire, ses obstacles, elle les saute haut. Et on a toujours des gens, je veux dire, qui veulent pas lâcher. Hein. Enfin, je veux dire, on a toujours des gens qui jalousent les autres et qui les surveillent. Hein. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Hein. À un moment donné, il faut se regarder soi-même. Hein. Ouais. Alors y a une autre personne, le gain d'argent, hein, ou la personne vénale peut-être. C'est une femme avec les yeux marrons. Voilà. Bon, là, visiblement, pour d'autres, je veux dire, il y a une femme avec les yeux marrons qui t'ont mis, je veux dire, dans des histoires de sexe, hein, de sexualité, de prostituée. Je veux dire, des gens ont été bloqués, on peut dire, sans explication aussi, par rapport à des réseaux sociaux, où, je veux dire, on vous hack, hein, bien sûr. Et c'est par rapport à un anneau à long terme, ou c'est par rapport, on peut dire, à un mariage. Bon, bah là, écoutez, dans la situation, il va falloir faire le ménage, hein. Voilà, bon, et si elle ne t'a pas trouvé beau, bah écoute, je veux dire, tu vas trouver quelqu'un d'autre, hein. Allez.
Donc, je vais prendre pour finir donc là, nous allons aller vers le bonheur selon Confucius, hein, là, deux de bâton, hein, par rapport, on peut dire, à une arrivée, à de la communication. Voilà, ça va être le bonheur selon Confucius, je veux dire, sur du gossiping et des blabla aussi. Donc, nous allons avoir un processus de guérison par rapport à des personnes d'origine anglo-saxonne, Marina Abramovic, hein, je veux dire... Dans le passé, tu t'es tiré une balle dans le pied, ou tu es peut-être scorpion. Donc ça va être le bonheur selon Confucius, la gaieté, l'honnêteté, la paix, le lâcher prise, l'abandon, la foi et la confiance. Et ça va être un miracle, hein, visiblement, sur un gros déni de réalité. Voilà, des gens qui ne savent pas tenir leur langue. Hein. Donc là, voilà. Ensuite... Donc là, dans la situation par rapport à Cindy Sherman, donc là, ça va être la dernière leçon. Hein. Là, Cindy, aussi, je veux dire, si tu as des potes japonais ou chinois, je veux dire, c'est la dernière leçon, visiblement, avec les perruques. Là, parce que là, je veux dire, c'est la débandade. Voilà, c'est une âme marquée par les relations sentimentales impossibles. Et donc, on peut dire que tu as beaucoup perturbé les autres. Hein. Voilà, la dernière leçon, je veux dire, et après ça va être l'exorciste. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va être la dernière leçon aussi, je veux dire, pour des gens peut-être d'origine asiatique, hein, par rapport à des Américains ou des personnes d'origine américaine. Donc là, après, nous allons voir Buckminster Fuller. Hein, là, visiblement, on va se trouver un petit copain sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, il y a des gens qui sont allés pêcher de saucisses. Donc là, je veux dire, il y a des gens, je veux dire, ils vont péter les plombs, je veux dire, quand tu vas annoncer que tu as trouvé une copine. Hein. Voilà, et surtout les gens, je veux dire, qui sont très très vénaux, on peut dire, dans la situation, par rapport à une mère ou par rapport à une veuve, hein, qu'on a voulu mettre dans la maladie... dans l'embourbement maximum. Donc là, j'ai un valet de coupe. Donc là, on peut dire il y a une personne plus jeune que toi qui arrive. Ça va être Hippolyte et Aricie. Ça va être très joli. Voilà. Donc là, je veux dire, Diane protège les amoureux. Hein. Bon, là, visiblement, il y a des gens... Enfin, je veux dire... T'as compris en allant en enfer que ton sacrifice était vain. Hein. Pour d'autres, enfin, je veux dire... Voilà, elle ne t'a pas trouvé beau, bah écoute, tu vas trouver quelqu'un d'autre, hein. Voilà, avec une mère ou avec une veuve, hein. Alors si tu es une veuve, tu vas retrouver quelqu'un, ok, plus jeune que toi. Voilà. Et ça va être la dernière leçon aussi pour d'autres, hein. Par rapport, on peut dire, à des relations sentimentales, je veux dire, où on vous a espionné. Alors ensuite, nous avons Jeff Koons, hein, qui speed des crises de foi. Voilà, c'est bling bling, hein. Je veux dire, toi, t'es trop dans la matérialité. Voilà, soit autour de toi, soit c'est toi, hein, une personne vénale qui a le goût de l'argent. Donc là, je veux dire, le mort décide d'aller voir sa mère. Hein, donc là, tu vas mettre tes lunettes et tu vas regarder ta mère, hein, la vieille avec son uréus sur la tête peut-être. Valet de denier, il s'agit aussi d'un projet, hein, visiblement. D'un projet, je veux dire, qui a été fait, une histoire de Suisse, hein, de chocolat suisse aussi. Après, pour d'autres, c'est le défibrillateur, hein, je veux dire. Voilà, donc on a des gens qui vont être enseignés aussi. Hein, les informations du Christ, du ciel, l'Ave Maria. Par rapport, on peut dire, à un homme en place, bon, je l'ai en inversé, un homme blond du passé... Par rapport à un homme en place d'Afrique du Sud, sur une veuve d'Afrique du Sud, hein, puisqu'elle est bien droite, par rapport à un baron de l'Écluse ou par rapport aux voilà, les enfants du bon Dieu. Hein. Là, visiblement, il ne faudra plus revenir. Hein, la mission choc est terminée pour nos amis les Asiatiques. Hein. Et on va aller vers l'avènement, on peut dire, d'une ère nouvelle après cela. Voilà, des gens qui ont les yeux bandés. Hein. Enfin, je veux dire, on est avec des aveugles.
Voilà, des gens qui ne voient rien, voilà, parce que... Alors, pour d'autres, je veux dire, soit tu n'as rien compris, soit tu n'as reçu aucune réponse. Et là, je veux dire, c'est des gens qui traversent beaucoup, beaucoup, on peut dire, d'épreuves. Attendez, je vais en mettre une autre, là. Et c'est par rapport, on peut dire, à une reine de coupe, donc on l'a deux fois, hein. Une personne blonde, hein, visiblement, là tu vas aller trouver une personne blonde, hein. Je veux dire, peut-être que la blonde, elle est un peu comme ta mère, hein, c'est possible. Ouais, voilà, c'est Énée et Didon, hein. Des gens qui vont se réfugier, on peut dire, dans une grotte, hein. Enfin, je veux dire, voilà, vous allez vous voir. Et donc là, tu vas comprendre dans la situation, je veux dire, si t'es un blond ou une blonde, voilà, je veux dire, c'est la fleur captive, hein. Je veux dire, il y a des gens, on les a capturés ou captivés, hein, par rapport, je veux dire, à des gens qui étaient à fond dans le bling-bling, hein, des personnes vénales, sans fortune et sans talent. Hein, alors évidemment, la fortune, c'est évidemment, moi, dans mon tirage, c'est pas l'argent, la fortune, hein, il faut comprendre, hein. Hein, la fortune, c'est l'intelligence, hein, mes amis, hein. Et donc là, il va y avoir une grande libération, hein, parce qu'il y a des personnes, je veux dire, l'argent ne va plus vous diriger. Hein, vous allez agir selon vos idéaux, vos convictions plus élevées. Et c'est par rapport au symbole perdu. Hein, alors le symbole perdu, c'est le baron de l'Écluse, hein, un homme blond, ou Pékin Express. Hein, voilà. Alors Pékin Express, lui, il a voulu vivre, je veux dire, peut-être sur ta gueule, je veux dire, en 12 tableaux, hein, mais bon, je veux dire, c'est resté dans le passé, hein. Des gens qui envoyaient des bandes-annonces, hein. Ouais, des gens, je veux dire, il y a des gens qui recevaient peut-être des informations, je veux dire, c'était tout fake, hein. Voilà. Donc là, nous avons aussi, pour d'autres, j'irai cracher sur vos tombes, hein. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est bonjour tristesse, hein, si tu comprends évidemment l'histoire. Hein. Voilà, des gens, je veux dire, qui se sont fait prendre dans des pièges. Hein. Voilà, et donc après, on va laisser sortir, on peut dire, les prisonniers à la lumière. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas avoir de la chance, on peut dire, dans une situation. Voilà, bon, bah, écoutez, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Voilà, surtout si on peut dire les messages de ma vidéo concernent ce que vous vivez. C'est pas très. C'est assez difficile, on peut dire. Voilà, mais voilà, moi je fais confiance, on peut dire, à tout ce que je connais, on peut dire, en physique quantique et en mathématiques. Et c'est pour ça que je tire les cartes du tarot et aussi, on peut dire, à travers on peut dire, mes lettres hébraïques. Mais là, aujourd'hui, je ne les ai pas faites. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.